Ça qu'a fait tout le monde, bienvenue dans l'émission pour l'Anquissé Kartis. Jeudi à nous là encore pour une autre émission. Côté que nous allons parler de culture, nous allons parler d'artistes. So, avant d'aller plus loin, nous avons besoin de consacrer. Pas oublier, abonner avec la chaîne YouTube. Non. Pas oublier, suivre nous sur Instagram, suivre nous sur Facebook. Et puis, l'émission est disponible sur Anchor, est disponible sur Spotify, est disponible sur YouTube. Il est disponible côté où on est capable de faire des podcasts qui existent, où on est capable de faire des émissions radio. Très prochainement, l'abso Tuning et l'abso Zeno Live Talk. Donc, n'appelez vidéo encore une autre fois à l'abonner avec Chanel là parce que l'émission est disponible là. Et sur Spotify, vous êtes capable d'écouter l'émission bien facile, donc sans difficulté, sans qu'on n'a pas besoin d'une mégabyte, nous connaissons la faire émission pour la communauté haïtienne. Donc, so, c'est ça. Jeudi, nous allons parler d'un sujet important. Sujet est important. Pour qui ça? Parce que, debout dans la culture, on ne fait pas passion. Mais il y a une redevance qui est cachée derrière. Donc, tout le monde a besoin, capable de en quelque sorte, bénéficier, manger un pain de sa affaire en tant qu'artiste. Je dis à nous allons parler de questions pour qui ça fait un pile artiste, pas arriver à faire comme sous et musique ou sous album qui est sorti. Qui ça qui cause artiste ou pas arriver à faire comme avec musique avec vidéo. Donc, notre premier pause, on va tourner. Bye! Posant les balances, c'est juste quelques secondes. Nous guettons tourner pour nous venir aborder sujet que nous tenions pour nous aborder jeudi. Qui c'est pour qui ça fait un pile artiste haïtien pas qu'à faire comme avec musique yo, avec album yo sorti. Donc là, au sorti album yo, c'est 5000, 2000 ou bien des 300 CD. Au vendre, pas qu'à faire comme vraiment avec album. Donc moi-même, il y a plusieurs bagages à penser qui est capable de faire ça. Et premièrement, et monde qui a géré artiste yo. Souvent, yo pa genyen, te kapab di yon certaine formation pour konnen comment pour yo gérer artiste yo, comment pour yo présenter artiste yo. Par exemple, l'artiste a sur ton musique, même pense que genyen façon pour te kapab di distribuer musique là. Par exemple, si musique en est sorti, faut qu'on genyen cover pour li, faut qu'on musique la genyen titre. Donc, faut qu'on partage musique là, faut qu'on ta chercher konnen email, numéro téléphone, toute radio qui gagne toute télévision si son vidéo pour distribuer. Donc d'abord pour la défendre distribution pour les. Donc ça me réalise quand puis l'artiste pas faire comme avec musique tout. Artiste sur son musique donc les compter sur les amis pour partager musique sur WhatsApp pour les. Donc si ils ont partagé musique sur WhatsApp c'est normalement que ou pas faire comme avec les rappeurs musique là parce que si vous partagez sur WhatsApp on gagne ça vous rapporte rien. Donc à mon cap distribuer musique yo man yo besoin certaines informations pour comment pour présenter musique là, comment pour envoyer musique là by et radio pour musique là by mon qui a fait promotion mon qui dans domaine la culture by DJ. Donc il y a une façon de faire. Donc et deuxième bagaille là, je pensais que artiste yo le plus souvent yo arrivé ça que pas qu'à faire comme parce que artiste pensait parce que les sorti yo musique de musique il t'a de commencer faire comme situation n'est pas comme ça, c'est plus compliqué que ça. Donc ça prend temps, ça prend un an, deux ans, trois ans avant de vivre un succès. Donc faut qu'on continue et produire des musiques de qualité. Donc on prend un exemple qui est très simple. Par exemple, on attend des Trouble Boy, on attend des Baki, on attend des Cadillac, on apprend et Colonel. Nèg ça yo, c'est des mecs qui gagnent longtemps qu'il y a travail dans la musique haïtienne, longtemps qu'il a fait musique. Si nous comptons la quantité de musique, mais ça a fait, les gars vont dire, nous ne pouvons pas contrôler, nous ne pouvons pas déterminer la quantité de musique si nous ne partageons pas la quantité de musique. Donc, mais nous devons toujours continuer de travailler pour nous atteindre l'objectif qui est de faire ouvrir l'argent haïtienne. Et puis, troisième bagaille que moi, artiste, pas fait, c'est présenter peut-être sur les réseaux sociaux. Par exemple, actuellement là, il y a YouTube, Facebook, il y a SoundCloud, il y a Instagram. Si un artiste ou pas gérer les rapides système réseau social là, ou pas café cop. On a pour exemple, il y a artiste actuellement dans le monde musical là qui a fait un cop qui est millionnaire, mais ou pas jamais ouais non, il a affiché dans des concerts, c'est des artistes qui sont très connus. Il a fait concert 7, mais artiste ça a eu généré revenus sur YouTube.
yo sorti une musique presque chaque semaine, yo sorti un album presque pas un album, yo sorti un feature presque ça chaque semaine. Donc il aurait été dans bien ce côté que il a publié chaque jour et puis il a partagé. Donc artiste ça yo qui des artistes connus, yo connent dans autopromotion, yo connent dans partage, yo connent dans promotion. On apprend J Balvin, J Balvin qui sorti une musique parce qu'il était là chaque semaine. Donc même si J Balvin a fait gros concert, mais si J Balvin pas fait concert, nous voyons que J Balvin t'a qu'à vivre de musique. Donc je pense actuellement il est plus facile pour un artiste vivre de musique que on est qui t'a fait musique en 90, parce que les 90 ça c'est pas de bien monde qui connaît, il pas de bien radio qui connaît, il pas de bien promoteur qui veut promouvoir, il pas d'un café cob. Mais ou même actuellement on a une possibilité pour faire cob pour vendre tout. Donc et puis ça qui gagne encore comme point de interrogation selon moi même ça m'a dit là m'a appelé personnellement dans le compte personnel m'a appelé personnellement comme une généralisation comme me dit c'est ça selon analyse pam moi me connais. Et puis deuxième bagaille que artiste nous yo manqué produit régulier. Donc j'aime dire par exemple ça sur place là c'est pas produit régulier, c'est normalement que et pour une musique il y a 5000 monde qui écoute elle, c'est sûr que on après 6 mois sur ton autre, c'est sûr que 5000 monde ça y a intérêt avec l'autre bagage. Mais sur une musique pour musique la 5000 monde écoute elle semaine ça, on focus sur lui, font l'autre qui bon comme on focus sur lui, c'est ou gain plus chance pour capable atteindre marché musical là plus rapidement. So n'a pas premier besoin que t'as parlé en pile, n'a pas quelques secondes avec ti musique émission et puis n'a tourner ciao. Dit d'aller et grand pile artiste qui a vive de musique pendant que au pas fan pile concert, pendant que au pas joue en pile concert. Et ça m'a dit en Haïti son artiste veut faire comme avec musique ou c'est focus sur réseaux sociaux, parce que par exemple YouTube est capable de permettre ou vivre des musiques pour produire bien, pour faire plus monde connaître, mais ou besoin d'une équipe avec ou. En pile artiste actuellement pas quoi dans équipe. Pas gagne artiste qui vive actuellement qui a fait succès qui pas gagne équipe solide derrière. Les noms d'une équipe capable c'est monde qui là, capable son équipe qu'on fait graphisme, qui capable son équipe qu'on fait beat, capable son équipe qu'on écrit musique, capable c'est un monde qui qu'on c'est styliste et façon pour habiller la du capable c'est on équipe là qui a du comment vous parler avec la presse, capable c'est un monde qui là cap coaching dans tout domaine qui existait. Donc l'important pour que ou gagne monde qui a coaching. Pas penser que parce que vous êtes artiste ou pas besoin rien ou pas besoin conseil ou pas besoin monde qui vous camper avec. Donc ou besoin tout monde ça parce que sans ça la difficile pour arriver faire un succès que musique monde connaît, OK? Donc et puis donc on parlait des réseaux sociaux, l'important par exemple ou optimiser channel YouTube ou optimiser et page Facebook ou on toujours mettre et vidéo création sous yo. C'est sûr que pendant 6 mois 7 mois ça pas marcher, mais on par exemple YouTube, si que on focus sur YouTube ou mettre vidéo sur YouTube à chaque ou régulier chaque semaine ou publier une vidéo ou bien ça va dépendre de disponible 2 3 jours publier une vidéo, c'est sûr que dans 6 mois ou capable atteindre yon maximum de d'abonnés, un maximum de monde qui a suivi ce channel loin pour arriver faire un peu d'argent avec et musique ou yo. Donc et ici fait que enfin commencer faire l'argent, c'est l'ou a une possibilité pour produire plus musique de qualité, parce qu'on a une possibilité pour travailler avec des beatmakers qui plus connus. Donc travailler avec un beatmaker qui plus connu, donc c'est dit plus mon app connaît, travailler avec des artistes qui plus connus et plus mon app connaît, parce que si vous channel YouTube pour promouvoir li, donc pour atteindre 5-10 000 abonnés, donc vous publiez régulièrement, c'est sûr que dans 2-3 mois ou bien comme pour faire une capacité pour faire musique avec quoi les artistes ou t'avez en Haïti, parce que et si qui est bien optimisé qui pour la travailler avoir la partager vidéo yo la faire la promouvoir yo, et puis ou gain plusieurs monde sur Facebook Instagram qui boost musique ou yo, c'est sûr que ou capable dans 5-6 mois faire des bagages qui extraordinaires. Par exemple prend Woody Woodboy Trouble Boy qui a des musique qui a fait sur YouTube,
Donc, le wal analyser channel YouTube et Trouble Boy, channel YouTube et Woody Woodboy avec Social Blade. Donc, ouais, artiste ça fait une quantité de copes qui permettent qu'ils vivent en Haïti, bien sûr, si qu'ils partagent fait concert. Wendy, n'est pas dit que c'est un artiste haïtien qui est plus bon dans le gérer et comment ça dit ça même, et streaming. Donc, c'est lui-même qui peut bien gérer ça. Et Spotify. Donc, en pile, mon app comme sur Spotify avec musique qui a joué. Donc, on a créé des playlists, on a partagé des playlists avec mon. C'est comme ça. On est capable de vendre musique. L'autre bagaille qu'on est capable de faire, c'est créer plusieurs comptes Facebook ou des gens qui partagent avec eux. En pile, mon app vient comme musique. Je pense que c'est un moyen capable de permettre ou vendre tout ou vendre l'autre monde qui a joué. Et puis, ou même tout pour sortir, ils font succès. Donc, je pense que l'émission a fini là, je dis. Hein? Et je vais essayer de faire format émission ça sans musique. Et puis, ou même si vous avez besoin de musique, ou artiste, ou une question, quand je pose des questions. So. Et puis, je vais vous dans l'autre vidéo, dans l'autre émission, disons, côté que je vais partager un sujet, ma bah, opinion, pas de qui ça pense de tel ou tel sujet, comme pour qui ça, ou bien pas pour qui ça, tel bagage est fait. Et puis avant d'aller dans les émissions, elle est disponible sur Spotify, disponible sur Anchor, disponible sur Google Podcast, disponible sur iTunes Podcast, disponible par quelques côtés que vous êtes capable d'entendre l'émission. So, moi-même, j'ai cassé rendez-vous pour l'autre émission, côté que je vais vous dire bye bye. Et avant d'aller, pas oublier d'abonner avec la chaîne YouTube là, qui c'est Green Bamboo. Sur tous les réseaux sociaux, c'est Green Bamboo. Et puis, c'était Kartis, j'ai croisé pour l'autre émission Kartis. Bye bye tout le monde.